Bien, eh bien, bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons donc pour l'épisode 6 de My Colony sur l'écran titre car en fait, comme vous pouvez le voir, on a avancé de deux versions dans My Colony depuis l'épisode précédent. On est en version 78 alors qu'on était en version 76 avant. J'ai pas regardé sur le navigateur s'il y avait également encore des... Enfin, si ça avait suivi la mise à jour. Quoi qu'il en soit, voilà, donc j'ignore, enfin j'ai pas regardé en détail voilà, ce qu'il y avait de nouveau. Je vois que j'ai mal retaillé. Est-ce que je peux le recouper? Non, je peux pas le recouper. Bon, vous avez un petit peu en bas ma barre des tâches. Mais c'est pas grave, y a rien de, voilà, y a rien de lancé à part My Colony. Donc on s'en fiche. Donc on va reprendre notre colonie. Voilà, où on l'avait quitté. Sachant que voilà, j'avais laissé tourner quelques heures. Et suffisamment notamment pour avoir, il me semble, ce qu'il faut en recherche pour. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Il nous fallait quoi? Il nous fallait peut-être le nucléaire, non? Non, c'est pas ça qu'il nous fallait. Qu'est-ce qu'il nous fallait? C'était pas ça. C'était pas dans les recherches. Les recherches les laissent avancer. Peut-être au niveau du civique. Qu'est-ce qui nous manquait au niveau du civique? C'était pour... Oh, on a plein de trucs. Steel Bridge. On peut mettre ça au-dessus de la lave. Ah, parce que... On peut avoir de la lave? J'ai pas vu. Je vois pas si on a de la lave. D'accord, là ça clignote, ça bug un petit peu visiblement. Attendez. Voilà. Alors, petite chose que j'ai faite, voilà, j'ai fait une route tout autour de la carte. Ce qui n'a pas vraiment de sens, hein, parce que normalement, voilà, le monde est censé être sphérique, mais voilà, on a ça. Et par contre, j'ai pas fait ce côté-là. Il me semblait, c'est pas grave. C'est histoire que voilà, nos véhicules, s'ils doivent aller d'un point A à un point B, ils peuvent passer par là et voilà, on gagne parfois un peu de temps. Alors, au niveau du civique, on avait les banques, il me semble, à créer. Il me semble que c'est ce qu'il nous fallait. On a aussi les microchips. Ah oui, il y avait ça aussi. Non, on en a créé une, c'est ça. Donc, on en avait créé une. Donc, elle fonctionne. Non, c'est ça, hein, c'était les banques, hein, qu'il fallait faire. Donc, on a le Civic Center ici. Et on va pouvoir s'attaquer après à la raffinerie d'aluminium pour pouvoir avoir de l'aluminium. C'est ça. Et donc, voilà, et c'est ça. On a les banques et la banque, ça coûte 200 de Civic à créer. Et ça génère plus de Civic après. Alors, où est-ce qu'on les construit? Sachant que. Voilà, ça génère de l'argent aussi. Donc moi j'étais plutôt dans l'idée... Où est-ce qu'on va construire ça? Donc en tout cas c'est ça qu'on va construire. Le truc c'est de savoir où. Où ça serait intéressant. Peut-être ici. Ouais, ici ça me paraît bien. Allez, on va en construire une pour le moment. Et on en construira d'autres. On va les mettre en file d'attente, les autres. On va en construire une dizaine. Ouais, ça me paraît bien. Ok, d'accord. Donc voilà, on a eu l'automatisme. Donc on a un petit peu d'argent qui est revenu. Et Galactic Emperor. Oh, d'accord. Alors, on peut avoir une vidéo. Enfin, on peut regarder une vidéo en échange d'un cadeau. Ce serait une publicité.
Ah, le problème, c'est qu'il va falloir que je monte cette vidéo. Tant pis, on va peut-être avoir une vidéo. Ouais, ok, d'accord. Écoutez, je la mets. Hop, je la mets. Voilà, sur le côté, histoire que voilà, on. Hop. You need watch the entire vidéo, ok. Bah. Bon, écoutez, je la regarderai hors caméra cette vidéo. Parce que je voulais pas, voilà, je veux pas vous imposer de la pub alors qu'en plus, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'était juste. Ok, alors. Autre chose donc que j'ai fait, oui, vous l'avez peut-être vu, donc j'ai amélioré les shelters ici. Donc voilà, donc j'ai maintenant des résidences, voilà, des complexes résidentiels. Je sais plus si on avait fait ensemble le collège, mais il est là. Et le voilà, l'école élémentaire. Alors. Niveau bouffe, par contre, on va manquer un petit peu. Alors, est-ce que j'ai suffisamment? Alors, la question c'est. Oui, j'ai suffisamment pour tout upgrader. Bon, on va faire ça. Voilà, comme ça, on va upgrader la réserve de nourriture. Et donc, on a notre première banque. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? On attend en fait pour avoir la raffinerie d'aluminium, hein, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des microchips. Pour avoir des microchips, est-ce que on construirait pas une deuxième microchip factory? Je pense qu'on va faire ça. On a suffisamment. Je regarde mes ressources. Ouais, on a suffisamment. Attendez, je vois pas où est mon. Mes minerais. Ah ouais, mes minerais sont là-bas. D'accord, ok. Bon, ok. Donc on va partir là-dessus. On va partir sur la construction d'une seconde usine de microchips. Et est-ce que on partirait pas également sur quelques synthétiseurs? On va attendre un petit peu pour les synthétiseurs. Quoi qu'il en soit, il y a également ça. Donc, on va faire des gold mines. Donc, maintenant, les gold mines, voilà, je les fais 3 par 3. Je confirme. Et pour les ore miners, pareil. Je les fais 3 par 3. Comme ceci. Et après, en fait, j'envoie tout le monde harvester. Hop. Voilà, là, j'harveste. Et donc voilà, donc là, j'augmente mes quantités de fer, d'or, de tout, quoi. Donc hop. Voilà, mes 5 unités. Hop, lancer en harvest. Et voilà, et donc ça me ramène de l'or et tout ce qu'il faut, quoi. Alors finalement, ces usines-là, elles étaient censées être temporaires, mais je pense que on va bien être parti pour pour tous ces upgrades. En plus, je peux tous les upgrades. Ça me coûtait cher par contre, hein, 3000 de steel. Si je dis pas de bêtises, c'est pile poil ce que j'ai en gros, quoi. Donc on va retomber à court de steel si j'upgrade. Parce que j'ai 5000 de steel. Je vais tomber à 2000 de steel. Donc c'est pas cool. Au niveau énergétique, j'ai 400 d'écart. Il faut également que je surveille ça. Et ici donc tout upgrader, ça me coûterait trop cher.
Ça me coûterait 9000 de style. Remarque, on pourrait faire ça, attendre d'avoir 10 000 de style et upgrader tout le parc électrique. C'est quoi ça? Oui, c'est du oil. Écoutez, est-ce qu'on partirait pas sur je sais pas, de la production de charbon ou... Là, on va partir sur la production de charbon. Je sais pas, je le sens comme ça. Je sais pas trop ce que ça peut. Je sais pas trop ce que ça peut apporter le charbon. Ouais. Bon, sinon on a le tourisme colonial. Pourrait être intéressant, ça peut générer de l'argent. Mais ça coûte 500 en... Voilà. Ensuite, donc on parlait du oil à l'instant, mais ça coûte 400 de recherche. On peut partir sur ça. On a le nucléaire. Alors nucléaire, honnêtement, je vous ai dit, on fera pas de centrale nucléaire parce que c'est pas durable dans le jeu. Donc vaut mieux c'est le débloquer pour récupérer l'uranium qui est sur notre planète et le revendre. Parce que ça peut être une source de d'argent en fait. En cas de coup dur. Mais en soi, on est plutôt bien bien parti. Hein. On a le consul ici. Est-ce que je vous avais montré ça? J'ai dû vous montrer ça. Oui, on était passé en auto-budget. Donc c'est ça. Donc voilà, il nous faut 250 000 en points civiques en fait pour pouvoir déclarer notre indépendance. On autorise l'immigration. Voilà, on a tout ça. Je veux voir. Tax collection, si je fais ça, je gagne 4000. Bon, pour le moment, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas de problème d'argent. Donc voilà. Et si on a des problèmes d'argent, en fait, j'utilise ça. Et voilà, je vends de l'eau essentiellement, parce que de l'eau, on en a en quantité limitée, même si ça coûte très très peu cher. Et on peut éventuellement vivre. Oula, j'ai failli cliquer sur quelque chose. On peut éventuellement vendre du rhum. Donc j'attends que mon stock de rhum en fait augmente, hein, comme ça en cas de coup dur en fait je peux vendre du rhum. Après voilà, je peux vendre déjà un peu de bois mais j'en ai pas des masses. Donc voilà. D'accord, maintenant on a de l'hélium 3 également, ça doit être une des nouvelles ressources qui est apparue. Est-ce que je me souviens pas avoir vu de l'hélium 3 avant? Donc ça doit être une des nouvelles ressources qui est apparue avec la version 0.78. On en est où? On peut créer une deuxième banque. Donc on va partir là-dessus. On confirme la création de la banque. On est déjà au maximum au niveau de la bouffe. Est-ce que je recrée des silos? Alors le problème c'est que si je recrée des silos, ça va falloir que je le déménage plus loin. Parce que j'ai envie de les créer là. Donc on va faire ça. Hop, on va construire ça là.
Ok, donc c'est bon, il est construit. Donc je voulais. J'ai tout là ou. Non, j'ai pas tout. Ah, je les veux tous. C'est pas moyen? Bon, bah c'est pas grave. Hop. On va construire. Non, c'est pas ce que je voulais. Non, non. C'était ça que je. C'est ça que je veux. Voilà. On va confirmer. Et donc ça, on va le supprimer. Ok. Et donc voilà. On a les hard est, on va faire les hard nest. Excusez-moi, petite coupure micro. Donc, ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Est-ce qu'on peut. Ouais, on peut les upgrade. Ça coûterait combien de tout upgrader? 1000 de style seulement. Je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, on va partir là-dessus. Ça rend nos véhicules beaucoup plus rapides. On retarde un petit peu l'upgrade de nos. De notre énergie, mais c'est pas grave. Ok, ici, nos mines de. Attendez, excusez-moi, mais. J'ai le PC qui recommence à chauffer. Je l'ai toujours pas envoyé en réparation, moi. Donc et là il est vraiment en train de souffler là. Donc j'espère que ça ira. Tata, mine d'or. Ouais, de or mais de. Hop. Ok. Non mais. C'est ce que je veux, c'est ça. Non, c'est un clic droit qu'il faut que je fasse. Non. Move, c'est ça. Ou Jarvest. Ok. Ouais, pourquoi il s'est pas construit celui-là? J'ai pas bien compris. C'est pas grave. Alors, on a assez ouais, c'est de l'acier, hein. On a assez d'acier pour upgrader tout notre. Ouais, tous nos panneaux solaires. Donc, on va le faire. Donc là, malheureusement, je vais avoir une chute. Bon, ça tient. Ça tient, mais va falloir leur en demander trop, quoi. Pour le moment. Est-ce qu'on tombe à une capacité de 100? C'est bon, ça augmente.
Non, on n'est pas trop mal là. Donc j'avais dit qu'après 200, à partir de 200, on aurait, on créerait quoi? 200 microchips. J'ai dit qu'il y a quelque chose. Oui, c'est la raffinerie d'aluminium. Excusez-moi, je crois que mon micro est, voilà, est mal placé. Après, il y a les synthétiseurs lab. Ouais, mais ça me coupe des microchips. Pareil, ça va me coûter un petit peu de temps. Donc vaut mieux qu'on attende un petit peu. Et puis pareil pour la raffinerie d'aluminium, il me faut 4000 d'acier. Bon, l'acier va remonter assez vite après, hein. C'est pas trop le problème. Bon. Bah là on a un petit peu de marge au niveau courant. Ouais, on a 500. On a. Non. On a 1500. On a 1500 de marge sur l'énergie. Donc honnêtement, on a le temps. Hein. On a le temps, on a le temps. Le landing pad. Honnêtement, je serais même tenté de créer d'autres landing pads. Hein, parce que. La question, ça me consomme combien d'énergie? 2 d'énergie, ça, ouais. Faudrait qu'on en crée plus. En plus, ça coûte pas cher à créer, ça. Ça me coûte combien, un landing pad? Je crois que ça coûte que des minerais, hein. Ça me coûte pas grand-chose. Hein. C'est ça me coûte que des minerais. On va en créer d'autres, hein, parce que c'est. On va les créer. Écoutez, pour le moment, on va les créer là. Ah oui, alors attendez, alors 2. Bah écoutez, hein, on va voir combien on en crée si on fait ça. On va bien voir. Mais ça va aller se créer très rapidement, puis surtout ça va augmenter notre immigration très très vite, parce qu'il faut. Il nous faut du monde, quoi. Il nous faut absolument du monde. Parce que là, si je regarde ma colonie plus en détail, au niveau des statistiques. Ouh, il y a plus de choses, non? Oh non, j'ai pas l'impression, mais. Donc, ok, donc on a notre population. Pour le moment, on n'a aucun mort encore. On n'a que des humains, on n'a pas d'insectoïdes ni de reptiliens. On a eu des pics de son domicile. Ouais, pendant que j'upgradais les shelters. Moyenne de cuisse, presque 80. Ouais, mais c'est pas ça qu'il me faut, en fait, c'était l'économie qu'il me fallait. Ok. Donc c'est ça, pour le moment j'ai. C'est ça. Donc j'ai 400. C'est ça, donc j'ai 422 jobs à pourvoir au total. Et j'en ai que 261 de prix. Ouais, c'est ça, j'ai 62% des emplois qui sont créés. Et j'ai donc 38% de postes vacants. Donc il me faut du monde. Il me faut du monde. Et donc j'ai la moyenne également des économies de chaque colon. Donc ça c'est cool. Ok, j'en ai créé 6 de plus de langue pad. Donc là on devrait avoir voilà des colons qui vont arriver davantage, ce qui signifie que je vais devoir encore upgrader ce truc-là. Ouais, mais ça me consomme des microchips encore. C'est toujours le même problème, c'est que pour faire évoluer quelque chose, ça me coûte ailleurs. Là, mais parce que ça me posait problème à terme. Il faut que je les remplace absolument par des complexes résidentiels. Ah non, ça me coûte pas de microchips, ça me coûte que de l'or.
Bien, je peux en créer. Si j'en crée 5. Donc je peux au moins me grader un. Je peux au moins me grader un quartier. Donc on va upgrade un quartier. Voilà, et on a donc nos complexes résidentiels. Hop. Qu'on va pouvoir créer et donc pour augmenter notre capacité de population. Les emplois, c'est pas un problème, honnêtement, quand on sera, quand on commencera à avoir de, comment, de la, des, comment, des. Mes gold miners, ils sont pas. Ils sont pas au boulot. Voilà. Ouais, j'ai personne dans mes synthétiseurs de d'or. Si j'ai une personne là, donc cette personne, enfin ce truc-là me crée de l'or. Est-ce que donc ça, ce sont des synthétiseurs d'or, donc en fait ça génère de l'or en fait. Donc ça, mais les mines pour le moment restent plus rentables. Donc ok. Et donc on lance le harvest. Bon, à ce niveau-là, on va être plein très rapidement, plus voilà. Donc ça n'a pas posé de problème. Après, donc pour les minerais, j'ai ce truc-là également, voilà, qui produit des minerais, voilà, qui produit 50 minerais quasiment toutes les secondes. Donc ça voilà. Ça j'avais prévu d'en faire d'autres, en fait, d'en faire un petit peu tout là. Mais bon. Après, donc là il y a les Civic Center. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut construire d'autre en attendant. On peut reconstruire une banque. On peut même reconstruire deux banques. Ouais, on peut reconstruire deux banques si on veut. Ça coûte pas grand-chose. Allez. Hop. Et on va tout de suite construire la route qu'il nous faut. On va construire ça comme ça pour moi. Ouais. Bon. Donc là, on a une population qui augmente quand même. Assez belle. Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qui manque? Ouais, il manque rien, c'est juste que c'était un peu long à construire. Voilà. Donc j'ai tout. Donc
là je regarde un petit peu. Bon. Alors après ces trucs-là, est-ce que je peux les... Non, je peux pas les upgrade visiblement. Dommage parce que là je suis à fond en... Alors, il va peut-être me manquer quelque chose. Ouais. J'ai l'intention peut-être de faire plus de forest rover. 7, 8, 9 et 10. J'en fais 10 de plus. Ok. Ah oui, donc ok. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, j'ai des réserves de charbon. J'ai des réserves de charbon. Deux et ça un fois un. Est-ce que ça c'est quoi? C'est ouais, c'est du charcoal comme ça. Je sais pas à quoi ça sert ça. Parce qu'après bon mon charbon je vais peut-être le déménager ailleurs le charbon qu'il y a là. Quoi qu'il en soit donc je voulais ben, les envoyer. Ou alors je les envoie créer de la forêt qu'ils harvesteront après. Alors c'est où niveau forêt? Ouah, j'ai de la forêt. C'est bon, j'ai de la forêt là sur. Donc allez, on va les envoyer harvester. Hop. Oh là. Ça dégage. Et j'irai les récupérer. J'irai les refaire replanter des forêts quand ils, voilà, quand ils auront plus rien en forêt sur la planète. C'est l'avantage, c'est qu'on peut replanter des forêts à volonté. Bon, on n'est pas trop mal là. Donc on a le civic qui augmente progressivement. Au niveau recherche, on n'est pas mal non plus. Ce qu'il nous faut, c'est encore un petit peu de d'acier et surtout des microchips. Mais pour des microchips, il nous faut de la population et ça, bah, ça arrive. Voilà, ça arrive petit à petit. Ça va arriver, hein. Alors oui, je voulais m'excuser pour l'épisode 4. L'épisode 4, en fait, s'il y a des coupures, apparemment, bah, ça me désynchronise ma voix. Alors, je voulais construire ça, mais ça me coûte des microchips. Ça me coûte aussi des microchips. Et il m'en manque 50 des microchips. Et j'en produis 3 par minute. Ah. C'est quoi ça? Whilst... Ah, génial, je peux faire ça. Ouais, mais ça me coûte encore de l'acier. Et de l'acier, ben, je suis limite pour pouvoir faire mon aluminium. Et j'ai besoin d'aluminium. Pour pouvoir progresser. Donc on va attendre. On n'a pas le choix et on va devoir un petit peu attendre. Par contre, wow, mon pognon, par contre, il est bien descendu. Je profiterai de la prochaine coupure pour vendre des ressources. De l'eau, hein, certainement, parce que voilà, le reste, tout est un petit peu nécessaire. Je peux vendre éventuellement un peu de rhum. Parce que là, je suis retombé qu'à 15 000 en pognon. Comment ça se fait que je suis retombé à 15 000? Ah, parce que j'ai personne qui bosse dans mes banques. Ben oui, pour le moment, j'ai personne. Enfin, là, dans cette banque-là, ouais, dans celle-là, oui. Donc ces banques-là, elles me produisent.
de l'argent et du civique, mais pas de ouf, de ouf, quoi. Niveau gold, ouais, bon, allez, on va. Attendez, alors, attendez, on va bouger. Ok, alors. Voilà. Je mets or mineur. Enfin, mes gold mineurs. Donc ça. Ça va ici. Confirmer. Et mes or mineurs. Ici. Et mes rovers me sont plus vraiment utiles. Hein. Mes rovers me sont plus utiles, mais mes autres robots font l'affaire, donc en soi j'ai envie de les détruire. Hein. Parce que tout ça, ce sont des choses que je ne construirai plus. Enfin, il y a le raw matériel, mais le raw matériel, d'autres robots peuvent les créer. Alors non, hop, allez, hop. C'est fini, le rover qui est là aussi, il me sera plus utile. Donc les rovers, voilà. Alors je pouvais les recycler également, mais il fallait que je construise le recycleur et puis. Puis non. Non, juste non. Ça m'aurait rien rapporté de plus. Alors, j'ai 200 civiques encore, donc je pourrais éventuellement construire une banque, mais de toute façon, je manque de personnel, donc ça sert à rien. Donc là, c'est ça, quoi. Faut que j'attende d'avoir le les. Faut que j'attende d'avoir le nombre de colons suffisant. Bah ouais, je manque de personnel partout. Question, les fermes hydroponiques, ça me produit combien? Écoutez, et en bouffe, honnêtement. Écoutez, on va faire quelque chose. Bon, on va désactiver cette partie de la population. Comme ça, ils vont aller bosser ailleurs. Il me semble qu'il faut un petit délai hein, pour que ça prenne en compte. Mais tout ce personnel-là va aller bosser ailleurs. Ah d'accord, ok, oui, puis il y avait une capacité minimum, donc j'ai un peu baissé en capacité de bouffe. Oh, c'est pas très grave. Ce n'est pas très très grave. Alors je pourrais faire ça aussi, ça me coûterait combien? Que dalle. Upgrader tous mes tanks d'eau. Allez, je vais faire ça, ça me coûte que dalle et ça me ralentit en rien. Est-ce que j'ai suffisamment de d'acier pour assurer le reste? Après par contre de l'eau il va m'en falloir c'est quand je vais planter des forêts parce que quand je vais planter des forêts là l'eau bon bah ça va
Ça va un peu manquer, mais trop fort rien quoi. Vu qu'on produit ici, là. Ils sont passés où? Ouais, c'est bon, ils sont tous revenus. C'est juste qu'ils ont été construire. D'accord, ce sont eux qui se sont occupés d'upgrader mes tanks. Donc, résultat, ils étaient partis une seconde, quoi. Bon, c'est pas grave. Hop. Ils sont allés upgrader les tanks et puis ils sont revenus, quoi. Voilà, je produis 1700 à la minute de flotte, honnêtement. Voilà, je vais retourner à ma full capacité, là, à 150K en quelques minutes. Alors ici, il faut aussi que je leur donne l'ordre. Hop. Okay, ici, Harvest. Ici, Harvest. Voilà. Donc ça, voilà, je gérerai leur mine comme ça, ils me rapportent des ressources. Donc surtout en fait les minerais et l'or qui me servent après pour le reste. Par contre au niveau des finances je galère un peu. D'accord, donc à chaque fois je. Ok, à chaque fois je peux. Enfin, j'ai un cadeau en plus de. Pour pouvoir regarder une publicité et avoir un cadeau en échange. Donc ça, bah, je les regarderai hors caméra. Hein. Je les regarderai hors caméra, comme ça, voilà. Ils ont investi les. Ouais, enfin, ils ont upgradé ça, ok. J'ai vu qu'il me manquait. Bah si, finalement, je l'ai ma route en haut. Je sais pas pourquoi c'est pas affiché. Là c'est un bug. Ouais, là c'est un bug d'affichage, mais c'est bien là sinon. Bon. Pas encore tout à fait au point le jeu, hein. D'accord, donc là je suis en sous-production de nourriture par contre, donc il va me falloir un petit peu de. Bah, comment ça se fait que j'ai encore des employés dedans? Enfin, ça fait plus d'une minute. Ils devraient plus être dedans. Ils devraient être envoyés à bosser ailleurs. Bon, apparemment, ça c'est mal fichu aussi. Ou faut en détruire. Alors, on va en activer certains. Ok. Je pense qu'on va en activer 5 pour le moment. Et que le reste, on va le détruire. Juste pour avoir pile poil. Ah oui, mais non, mais de toute façon, ma population augmente. Donc, dans tous les cas, j'ai besoin de nourriture de supplémentaire. Le truc, c'est. Je sais plus combien ça produit ça? 75. Et ça? Vin, ouais, les patates produisent moins évidemment que les hydroponiques. Mais les fermes de patates me demandent aucun salarié et ça c'est cool. Bien.
fais là, toi? Bon bah, tu vas me reconstruire des mines, hein. Alors, on a 45 minutes pour cet épisode. Ça y est, j'ai mes 200 microchips. J'ai mes 200 microchips, je viens de les voir. Donc on va construire rapidement. Hop, ma raffinerie d'aluminium. Alors, où est-ce que je vais la construire? Je vais la construire. L'aluminium. Alors, j'avais pas prévu de le construire là. On va le construire là. Est-ce que. Ouais, je peux faire passer une route derrière. Donc, l'aluminium, je vais la construire ici. Ah, ouais, puis bien sûr, j'en construis qu'une. Pour le moment, j'en construis qu'une. Et ça va me permettre de construire pas mal de choses, ça. C'est bon, il est encore à être construit. Donc c'est bon, mes microchips sont tous passés. Je vais juste, hop, voir les ressources qu'il faut. Ok. Alors, ça prend 13 salariés, mais normalement, ça bosse, ça peut travailler sans salariés, ça. Parce que l'important, ce sont les aluminium miners. Et bon. Voilà. Donc on va en construire une dizaine. Ah, ça demande des microchips. Je peux en avoir que deux. Bon. Quoi ça? Ah, il manque un. Voilà. Donc voilà, j'ai mes deux unités. Alors. Ok, ils peuvent rien construire. Donc ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Bon, pour le moment, on va. Zut, je vais les bouger ici, mais c'est pas grave. Donc on va faire. Bon, pour le moment, juste ici. Un dépôt. On va faire. Un dépôt ici. Un dépôt ici. Donc déjà on va faire ces trois là, à la limite ces quatre là. Déjà on a de quoi faire. Hop. Donc je les confirme. Donc je surtout c'est aller supprimer celui-là là, en priorité. Ah bah c'est bon, il est construit donc. C'est bon, ils y vont ou. Oui, ils y vont. C'est bon, ils y sont. Ok, et donc j'ai ces. Ok, donc là ouais j'en ai 8. Donc hop, on va partir les envoyer harvester. D'accord, par contre, niveau déforestation, les mecs ils font pas semblant quoi. Bon, par contre, d'un point de vue aluminium, là, voilà, je suis plutôt tranquille là, ça monte bien. Donc,
On va pouvoir construire les nouveaux bâtiments en aluminium. Et ça, c'est cool. Alors déjà, il y a énormément de choses qui vont pouvoir... Excusez-moi, qui vont pouvoir évoluer. Y a beaucoup de choses qui vont pouvoir évoluer. Qu'est-ce qui manque là? Des microchips. Notamment ça, je crois que ça peut évoluer ça. Ouais, mais il me faut une recherche, c'est ça? Liée à l'aluminium? Non. Et pas ça. Alors, qu'est-ce que je pouvais construire avec notamment l'aluminium? Donc il y a les ponts. Donc ça, les ponts, c'est nouveau, hein. Je connaissais pas. C'est bizarre. Normalement, je suis censé pouvoir construire des choses avec l'aluminium. Ça va peut-être venir plus tard. Peut-être lié à des recherches où il me faut les ressources pour découvrir les bâtiments, je sais plus. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'on avait dit qu'on développerait en premier, soit le Galactic Commerce, soit le clonage humain. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour l'épisode suivant, hein, pour maintenant. Mais voilà, on aura un petit peu progressé. Donc voilà, on se lance un petit peu dans le bois. On a l'aluminium maintenant. Enfin, on peut exploiter l'aluminium. On a notre population qui augmente. On a également nos microchips qui voilà qui arrivent. On a créé nos premières banques, donc ils nous produisent de l'argent et des points de civisme. Mais le problème, bah, c'est que je manque de salariés là-dedans. C'est tout le problème. Ok, donc ça c'est bon. Donc, à supprimer. Et on va se relancer dans la ferme de potato. On va se faire des fermes de patates. Deux, trois, quatre et cinq. Donc ok. Là attends. D'accord, ok, puis retourne à harvester. D'accord, eux ils sont vraiment en automatique, automatique. Et on va détruire quelques... On va détruire quelques-uns de... Ok. Bon. Pas mal. Normalement, si je fais ça, attendez, 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Ben écoutez, sur ce, je vais juste créer mes petits pavements. Ah, attendez. Oh, ah oui, non, non, ils sont en premium ceux-là. J'ai pas regardé comment on avait les premiums, faut certainement je sais pas, il doit y avoir un moyen de paiement dans le jeu, mais je l'ai pas vu.
Parce que ça serait génial, ça, avoir les routes qui produisent de l'énergie. Alors là. Bon, écoutez, bah sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Pour moi, on est à la suite.